Salut tout le monde, c'est Capi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour un Coliseum. Je me suis dit bon, que bon, le deuxième Coliseum que j'ai commenté était assez expéditif, donc je me suis dit bon, ils auront pas grand chose à regarder, donc je vais en refaire une deuxième. Et puis j'ai vu voilà ce combat qui vient de se lancer avec des niveaux un peu plus THL. Donc on a un Panda 186, un Nika 186 aussi et un Zobal aussi niveau 186 du côté bleu. Et alors du côté rouge, nous avons un SRAM niveau 173, un Sakri niveau 148 et un Yop niveau 172. Donc voilà, c'est, je vais dire au niveau des niveaux, c'est l'équipe bleue qui a l'avantage. Mais bon, voilà, apparemment, s'ils jouent l'un contre l'autre, c'est que leurs codes sont plus ou moins semblables. Donc ça devrait être pas mal. Je vais bouger le chat un petit peu. Je vais vous le mettre ici. Voilà, histoire que ça dérange pas trop. Oui, est-ce que je pourrais le mettre en dessous? Non, on voit absolument rien. Je vais vous le mettre là. Si je vois que ça dérange trop avec... En fait, c'est la petite animation qu'il y a ici qui est un petit peu bizarre. Et ça, je vais vous le mettre... Non, là on voit pas. Bon, je vais la remettre au-dessus, c'est pas grave. C'est pour une carotte, hein, au pire, c'est pas grave. Voilà, là le chat il est nickel normalement, il dérange personne. Donc le combat qui se lance, il y a un tonneau qui a été posé ainsi qu'une carotte de la part du Pandawa de l'équipe bleue. Et j'ai oublié de dire que dès le premier tour, il y a le sacrieur. Ah, l'ombre de la mort, j'avais déjà commenté l'autre fois. Ça c'est une coïncidence par contre, j'ai vraiment pas fait exprès. Ah, il va peut-être gagner cette fois-ci. Par contre, je sais plus du tout dans quel team il était. Je crois que je l'avais déjà commenté lors du premier Coliseum pour recommencer. Donc j'espère qu'il va bien jouer cette fois-ci. Parce que bon, le premier combat, console, ne le sol, cachons pas. Ils sont un petit peu festons, voilà. Bon. On va oublier. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir le combat. C'était assez marrant. Il y a une langue râpeuse qui était posée. Histoire d'essayer de trouver le SRAM, mais il a tapé à côté du double, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi il a tapé à côté. Alors, les chachas, toutes les invoques du côté bleu qui sont invoquées au fur et à mesure. Le Yop qui sort de son invisibilité. Ok. Donc le SRAM le met en invisible, on ne sait pas pourquoi. Et il sort de l'invisibilité, on ne sait pas pourquoi non plus. Alors, bien sûr, regardez. Il a été se mettre dans le chat. Ça, c'est intelligent, hein, franchement. Mais bon. Est-ce que je peux pas le mettre là en dessous? Ah non, on voit pas le dessus. Bah, tant pis, on va le remettre là. Il serait un peu dans le. Il serait un peu dedans, c'est pas grave. Tant que c'est clair, c'est ce qui compte. Donc le souci de cette présentation, c'est qu'en fait. Du coup, en fait, les maps. Selon comment elles sont disposées, ben je dois mettre le chat à des endroits différents. J'aurais bien aimé le mettre là, mais le problème c'est qu'il est trop grand. Et si je commence à le réduire et tout, ça va être le bordel. Donc on va pas toucher, on va laisser ça comme ça. Ça me semble assez clair. Bon, là il y a le piège de silence qui est écrit, qui est dans les cheveux du Yop, mais bon, on s'en fout. Donc là, les Tortoruga. Il a mis ça sur qui? Ah, il a mis ça sur le panda, d'accord. Je me dis, what the fuck, un SRAM qui met un Tortoruga, c'est quoi ce bordel? Donc il pose un piège de silence ainsi qu'un piège répulsif et il y a le double qui fonce au corps à corps de l'équipe bleue qui est resté paquet. Donc à mon avis, si il y a moyen que le panda prenne le double et le rebalance, le double ne va servir à rien de toute la partie. À moins qu'il prenne un panda wushu et qu'il mette à son corps à corps, ce qui m'étonnerait. Et la stabilisation qui est posée sur le Zobal. Donc à mon avis, le Zobal qui va plus jouer un rôle de support, hein, il va poser des boucliers un maximum. Le panda qui va mettre des vulnés et qui va placer les gens. À mon avis, je sais pas pourquoi, je le sens bien, mais de ce côté-ci, moi je dis que c'est l'équipe bleue qui va gagner. Je sais pas, ils ont l'air plus organisés et tout. Après, nous avons un Yop feu de ce côté-ci, Excalibur, qui a préparé son épée du destin, donc à l'autre bout de la map, soit, mais ça peut vraiment à haut niveau, ça peut vraiment faire beaucoup beaucoup de dégâts. Donc on verra bien. Et j'ai une petite idée, si on fait ça. Hey, il passe plus dans le chat. Contre, c'est bizarre. Ah non, non, putain, j'ai peur. Regardez, il y a un truc gris qui apparaît.
Non, allez, on va le remettre en normal. Soyons sérieux. Ce sera bientôt son tour de jouer, de toute façon. Donc là, c'est au tour de Lucas Flip qui est toujours en état porté. Voilà, il descend du Pandawa. Malheureusement, il utilise un PM à cause de ça. Il fonce et il rush vers le Sacrieur. Il lâche. Ah, sa perception, il a trouvé le SRAM. Ça, c'est très très bon pour lui. Il commence à se booster. Et il lui met un premier bluff, ainsi qu'un deuxième bluff à plus ou moins 430 de dégâts. Et il lui pose 860 de dommages en 6 PA. Donc franchement, bien joué de sa part, la perception à cet endroit-là. Du coup, les plans du SRAM ont un petit peu été mis au fond. Par contre, il n'a pas détecté les pièges. Donc, techniquement, il y a toujours des pièges là-bas. Le Yop qui se booste pour préparer son épée du destin au prochain tour. Et il se rapproche. Pour bien faire, faudrait que... Attendez. Il a combien de PM? Il a 5 PM. 1, 2, 3, 4, 5. Et il a un bond d'à peu près 5-6 PM. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, s'il reste sur le côté, il y a moyen qu'il ne passe pas. Eh ben non, c'est un Zobalter. Donc il fonce dans le tas. Ils vont tout mettre sur le SRAM tant qu'il est visible. Je lui ai mis 2 Furia à plus ou moins 400, donc encore 800 de dégâts sur le SRAM. Il n'est plus qu'à 1321 HP. Et il tape dans les boucliers, donc avec son arnaque. Quand même 400 de dégâts avec l'arnaque, c'est pas mal. Je veux dire, à son niveau, c'est franchement, c'est pas dégueu. Et il utilise son play répulsif pour se replacer. Et carrément se barrer à l'autre bout de la map. N'ayons pas peur de le dire. Là, le panda. Que va-t-il faire ? Pour le moment, ils sont plutôt safe. Alors, il donne un pan dans le cul à les gars flip, histoire qu'ils puissent rattraper le SRAM. Il pourrait peut-être essayer de le prendre et de le balancer. Il a encore 4 PA, c'est ce qu'il va faire. Balance-le par là, voilà, c'est super. Là, il a la range pour aller mettre des bluffs. Ou peut-être des réflexes, ça dépend s'il est plus R ou alors s'il est vraiment haut. À mon avis, il est plus orienté R parce que... Voilà, c'est bluff, on fait assez mal, on va remonter un petit peu parce que j'ai pas vu, il avait tapé haut avec son bluff. Il avait fait des dégâts franchement honorables. Donc on va bien voir, là il est bien boosté à sourcil. Voilà, il a un boost de 450 de puissance, 24 de dégâts neutres. Donc à mon avis, le SRAM va prendre plutôt cher. Il a passé son sacrifice sur le sacri... attendez. Il est où? Il est là. Bon, il a le sacrifice. Maintenant, je me demande, est-ce que l'épée volante là? Non. Parce que sinon, il y aurait eu moyen de taper en zone dessus. Ça aurait pu faire très très mal. Donc, à mon avis, l'idée, c'est de mettre des réflexes, histoire de mettre de la résolution sur le sacré. Ouh, la griffe de Chandial. Donc, ouais, c'est bien un R. Il n'y a pas de souci. Il lui a volé de la vue. Il lui a mis un coup critique à 750. Et un deuxième. Oh là là, les dégâts qu'il a posés. Et il a pas fait de roulette. Ah si, il a fait une roulette 400 AJ. D'accord, pardon, j'avais pas vu. Donc du coup, ça augmente ses dégâts. Donc 751 plus 700, ça fait 1450. Plus un bluff à plus ou moins 700, ça fait 2150. Plus... c'est quoi ça? Ah oui, c'est le piège de silence. Donc à taper dans les boucliers, mais bon, soit. Donc le sacré se retrouve à midlife. Voilà, il a pris midlife. Tranquillement. Le tour de l'épée du destin, le Yop qui a réussi à revenir au contact du panda, il lui met un putsch histoire de maximiser ses dégâts et il sort l'épée du destin à 682. Ouais. Donc voilà, les dégâts sont pas mal, mais bon, ça, je pense pas que ça va rattraper le retard. Là, l'équipe bleue a pris une sérieuse avance en ayant détecter le SRAM, mais bon, là maintenant ils vont devoir taper tout sur le sacré histoire qu'il tombe assez rapidement et qu'il puisse terminer le SRAM. Alors, à mon avis, une fois que le sacré est tombé, clairement c'est fini. Le Yop peut avoir autant de DPS qu'il veut, ils ont beaucoup trop d'avance et leur team est vachement bien optimisé. Un qui pose des boucliers, un qui place et ils font à peu près tous des dégâts, donc voilà. Et ben non, il décide de focus le Yop. Ça par contre, je sais pas si c'était la meilleure idée. Parce qu'il avait assez de PM pour aller au cac du sacré. Et je pense qu'il aurait pu mettre beaucoup plus de dégâts sur le sacré. Parce que là, vous le voyez pas, mais il a moins 4% de résistance en terre. À mon avis, c'est la panoplie Mulu qui lui donne ça. Parce qu'il est seulement niveau 148. Donc c'est en général, c'est la panoplie Mulu à cet endroit-là. Et la panoplie Mulu donne un malus de résistance en terre. Donc à mon avis, c'est pour ça. Je pense pas que taper le Lioplas, c'était la meilleure idée.
Bon, après un Yop feu qui reste au corps à corps, c'est un petit peu inutile, je veux dire. Enfin, c'est moins efficace que quand il reste à quelques cases de distance. Donc il y va à la souillure. Il se désenvoûte. Là, il va peut-être taper 2 points d'attaque. Il a encore 8 PA. Voilà, il tape 2 points d'attaque à moins 400. Voilà. Donc ils ont décidé de changer de focus et ils focusent le Yop. Donc voilà, ils ont mis tout le monde à peu près 50% d'HP. Maintenant, ça va être le temps de finir. Enfin, de finir les personnages. Pas de finir le combat, parce que non, ils ont le temps. De toute façon, au Coliseum, il n'y a pas de limite. Mais la cope qui est placée sur le panda... Ah, il va essayer de taper tout sur le... Il fait pas grand-chose comme dégâts. Donc c'est le deuxième sacré Urter que je vois aujourd'hui et qui m'impressionne pas tant que ça. Donc là, il fait plus de dégâts avec son assaut qu'avec qu'avec son pied du sacré. Donc il a mis quoi comme châtiment? Ben, il a mis les deux. Donc à mon avis, il joue hybride. De toute façon, un sacrieur, à partir d'un certain niveau, il peut se permettre de jouer plusieurs éléments, puisque avec ses châtiments, ça rattrape. Alors il s'est boosté, c'est une roulette, 10% de dégâts de nœud. Il tape au bluff sur le SRAM, histoire de baisser les HP du sacré. Donc il met 3 bluffs à moins 500. Le sacré se retrouve à 845 HP, il n'aura pas eu le temps de faire sa punition. Donc c'est un peu dommage pour lui. Bon là, le Yop, qui est un peu mieux replacé du coup que le sacré s'écope avec le panda. Donc il va pouvoir reculer et taper le Zobal. Mais je pense que bon, que voilà, ça va pas changer grand chose. Il décide de taper le panda. Je sais pas pourquoi il focus le panda. Deux tempêtes de puissance à 300 et une petite flamiche à 100. Donc voilà, il lui a fait 700 de dégâts, mais bon, les K faisaient ça pour 3 PA. Donc voilà, ils ont un petit peu d'avance. Le sacrieur qui tombe sous la deuxième furia du Zobal. Donc du coup, grosse avance pour l'équipe bleue là actuellement. Donc c'est le... Oh, il prend une transe carrément. Ça par contre, c'est chaud. Hein. Faut le tenter. Hein, parce que si jamais le Yop arrive à faire... Enfin, si le SRAM et le Yop arrivent à faire assez de dégâts, il peut tomber en un tour. Hein. Faire attention surtout que ça va être le tour de l'épée du destin. Oui, je crois que c'est à sourcil. Voilà, il le met à 500 HP. Donc il y a le tour du panda. Ouais, non, j'ai rien dit. Le panda va pouvoir le porter, histoire de prendre les dégâts à sa place. Il le replace, il y va à la panda attaque. Voilà, deux panda attaque qui tape les deux à moins 400, toutes les deux. Donc le Sam qui se trouve à 530 HP, le Yop à 683 HP. Là, les cafés, pas mon avis. Oh, il est un peu dégoûté par l'invoque. Il aurait pu taper des réflexes. Alors, une roulette 50 coups critiques. Ça, c'est bien. Il utilise l'esprit plein pour se replacer. Et il y va au réflexe. Il se tape dans son pôle. Rien à foutre. Il profite de la zone. Et oh, le SRAM qui survit avec 14 HP. Le Yop qui meurt. Ah oui, la vitalité. Donc, il va faire oh, le kill libé magnifique pour terminer ce combat. Eh ben, victoire, deuxième victoire de l'équipe bleue. Donc voilà, l'ombre de la mort, si j'ai bon souvenir, il avait déjà perdu la première fois que je l'avais monté. Donc à mon avis, je porte malheur. Donc voilà, GG à l'équipe bleue qui avait franchement une compo pas dégueu. Hein, donc Zobal, Panda et Kaflip. Donc c'est vraiment une compo que je vous conseille. Hein, c'est vraiment... Il y a de bonnes synergies, il y a un bon côté défensif et il y a beaucoup de dégâts, je veux dire, offensivement. Et il y a beaucoup de replacements, enfin il y a des boucliers, des gros dégâts, enfin de l'érosion et tout, enfin c'est vraiment bien. Donc voilà, on va se quitter sur la fin de ce troisième combat. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À mon avis, je vais peut-être en faire un troisième. Je vais essayer d'en faire quelques-uns ce soir-ci, comme ça vous aurez de quoi regarder des vidéos. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si l'épisode 4 est déjà sorti, eh ben, allez le voir. Et s'il n'est pas encore sorti, attendez que je le sorte et comme ça vous pourrez le regarder. Donc voilà, allez, ciao tout le monde, peace.